Radio J, les rendez-vous de la Viso. Et c'est le deuxième volet de l'émission de la Viso consacrée à nos deux invités, Talila et Lionel Weintraub, un spécial transmission à travers les yeux de nos deux animatrices Coralie Abram-Palti et Maya Termination. Bonjour, merci bonjour, d'être avec bonjour. Nous. Alors très vite, dans le premier volet, nous avions évoqué donc un petit peu le passé de Talila et de Lionel, leur passé familial. Talila, la chanteuse yiddish qui incarne le yiddish en France et qui a été l'une des plus médiatisée et qui, en dehors de ses albums, vient de sortir un DVD magnifique, Notre langue d'intérieur, à découvrir de toute urgence, ce DVD incarnant la transmission. Et Lionel Weintraub étant psychiatre et étant très touché par tout ce qui est transmission du judaïsme et du yiddish. Vous avez la parole. Alors aujourd'hui, on va creuser davantage, Lionel Weintraub, votre façon de perpétuer le judaïsme dans votre famille. Vous êtes un père et un grand-père aussi très investi. Et vous avez vécu la transmission comme un devoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Alors, je l'ai vécu d'abord comme une responsabilité. La responsabilité de pouvoir passer un cadeau qu'on m'avait fait. Un devoir aussi. J'ai souvent ressenti que j'aurais trahi beaucoup de gens qui sont morts si je n'avais pas assumé cette responsabilité. J'ai réalisé avec le temps et en ayant des enfants et en découvrant concrètement ce qu'était la transmission, qu'il fallait mettre un contenu à cette transmission, qu'on ne pouvait pas transmettre de l'air, qu'on ne pouvait pas transmettre un sentiment général, des souvenirs, même une culture aussi riche soit-elle. Et c'est l'une des raisons qui m'ont conduit, alors que ma famille ne m'y préparait pas du tout et que ma famille avait plutôt tourné le dos, après la Shoah notamment, à la religion, à m'approcher de la religion à l'occasion du rabbin qui a accueilli mon fils pour sa bar mitzvah. Un jeune rabbin. J'ignorais qu'on pouvait être rabbin et jeune. et j'ai eu la surprise de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému par son rapport au judaïsme et à la transmission. Et à partir de là, j'ai eu la surprise de voir que mes enfants me demandaient de faire le kiddouche le vendredi soir. Et nous avons échangé cette transmission. Quand je revenais du cours de Talmud, on parlait ensemble de ce que j'avais appris. Et ça a été sans doute un des éléments forts de cette transmission également. À la fois dans l'étude des textes, dans les rencontres, et dans la pratique, même s'il n'est pas facile d'être né dans une famille non pratiquante et de faire un retour que je n'ose pas appeler du nom hébreu de Teshuva vers la religion, vers le rapport à Dieu, vers le rapport à l'infini. Un retour à votre façon, on a tous des trajectoires souvent complexes et en rapport à la religion. Et quels sont les moments privilégiés dédiés à la transmission? Est-ce qu'il y en a des moments dans la sphère familiale? Alors les moments privilégiés, c'est sans doute l'atmosphère d'une table de Shabbat, c'est sans doute
la préparation, la réflexion autour des grandes fêtes que nous faisons autant que possible ensemble. Et des moments en musique, il me semble. Et c'est là qu'on rejoint aussi l'histoire de Talila, c'est que la musique est très présente. Je me suis souvent dit que je n'aurais pas pu construire ma vie avec une femme qui était insensible à la musique que chante Talila. Ah, c'est un critère. Ça, je ne le savais pas. Que cette musique exprimait de manière tout à fait forte et directe ce qu'on pourrait appeler d'un terme assez fumeux de sensibilité juive. Voilà. Alors moi, je voudrais juste rajouter un mot, c'est que dans le DVD dont je parlais tout à l'heure, le DVD, il a été réalisé avec Fleur Taguieff, qui est la fille de Talila, et son gendre. Et là aussi, c'est une autre forme de transmission, Talila. La façon dont ils ont réalisé ce DVD, on comprend qu'ils avaient à cœur de ne pas trahir ta pensée. Ils étaient vraiment en plein dans ce que tu leur as transmis. Mais oui, c'est grâce à ce DVD, je dois dire que c'est Yiddish sans frontières, oui. Christiane Galili qu'on embrasse. Qui l'a commandé. Oui. Et grâce à ce DVD, effectivement, j'ai pu inclure ma fille, que j'avais déjà inclus dans certaines mises en scène, d'ailleurs, puisqu'elle fait du théâtre, qui m'a aidée souvent, et qui a participé, qui a assisté depuis sa toute prime enfance à des spectacles, qui a complètement baigné là-dedans. Mais elle a entraîné son mari, qui, lui, ne fait pas partie de ce monde, Et même mon petit-fils de 12 ans, qui en avait moins au moment où il y a eu cette préparation de DVD, qui a fait un dessin pour ce DVD, le dessin d'une chanteuse qui ressemble très, très fort à une Castafiore. Mais enfin, parce qu'il y a de l'humour quand même. Oui, il y a beaucoup d'humour. Ah non, c'est un DVD magique avec tout ce qu'on aime, la musique, l'humour, tes sketchs aussi, qui sont formidables en français. Mais c'est effectivement un DVD de transmission, parce qu'il raconte, alors non seulement mes enfants donc ont filmé, ont rajouté des images d'archives, et ce sont surtout ces images d'ailleurs qui sont extrêmement émouvantes, oui. Des petits films d'après-guerre, je me vois petite alors que je ne me suis évidemment jamais vue moi-même, à part dans la glace. Je vois ta grand-mère, je vois mes jeunes, je vois mes parents, je vois tous ces gens que tu as connus et que j'ai connus, qu'on appelle les Krochnikers, c'est-à-dire ceux qui sont nés à Krasnik. Il faut dire que tous les dimanches, nous allions chez sa grand-mère, donc ma tante, à Bry-sur-Marne, dans une grande maison. Et il y avait le peu de famille, puisque nous sommes peu nombreux. Mais il y avait tous les amis de Krasnik. C'est ceux-là que tu as connus, Monsieur Beyrou, Monsieur Yosser le Pichet, Madame Haye, Madame Rochale. C'est Krasnik sur Marne, c'est alors. C'est absolument Krasnik sur Marne. À la fois l'appartement de mes parents, rue Truffaut, c'était Krasnik à Paris, mais là c'était Krasnik sur Marne. Donc la transmission s'est faite. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et j'espère que ça se transmettra à ceux qui regarderont et qui ne savent pas ce que c'est que le yiddish. J'en suis sûre. Moi, je voudrais revenir, Lionel, sur quelque chose que vous avez dit sur la transmission de la sensibilité juive. Vous disiez, on ne peut pas transmettre de l'air. Et c'est vrai que je me pose une question autour de la transmission d'un judaïsme laïque. Parce que c'est vrai qu'avant la Shoah, il y avait des cultures traditionnelles. Et je pense que, d'une certaine façon, enfin j'imagine en tout cas, on pouvait être très juif et pas du tout religieux. Et maintenant, en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, ça va ensemble. Pour transmettre l'âme juive, il faut être religieux. Mais j'aimerais, Talila, vous poser une question. Si j'ai bien compris vos propos, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça aide, ce que vous disiez. Talila, je sais que vous étiez dans un mouvement laïque, sioniste, socialiste, l'Abonim Dror. Et je me demandais si, finalement, est-ce que le sionisme, c'était pas aussi une façon de pouvoir transmettre cette âme juive sans nécessairement être religieux?
Ce sont des questions très difficiles, chère Maya. Et je crois que elles sont liées. Enfin, toutes ces questions sont liées à la différence de génération entre Lionel et moi. Effectivement, moi qui suis née donc tout de suite après la guerre, la religion, on n'en parlait pas. Elle n'existait pas. Vaguement, on savait quand étaient les fêtes. Les parents allaient à la sortie des synagogues à Kippour pour rencontrer leurs amis. Mais mes parents, par exemple, n'allaient pas spécialement à la synagogue. On n'en parlait pas. Ton père était très anti-religieux, donc mon cousin Germain, mon autre cousin aussi, ton oncle, mon frère, très anti-religieux. Moi, j'avais pas vraiment de position, je trouvais ça plutôt exotique et rigolo, mais c'est tout. Et le fait d'aller dans ce mouvement de jeunesse sioniste, socialiste, qui nous destinait à aller vivre au kibboutz, ça a été pour nous, ceux de ma génération, une expérience extraordinaire, parce qu'elle nous délivrait du poids. Parce que toi, tu as parlé de cadeaux. On t'a fait un cadeau. Enfin, tous ces gens, c'était un cadeau. Tout ce monde, c'était un cadeau. Pour nous, alors j'ai pensé à cadeau, et en tant que psychiatre, psychanalyste, ça va te plaire. Cadeau, fardeau, enfin, tu vois, entre les deux. Après la guerre, c'était plutôt pesant. Ouais. C'était lourd, c'était plein de larmes, hein, plein de souvenirs, plein de mémoires non dites, parce que ça allait déclencher des torrents de larmes. D'ailleurs, nos mères, ta grand-mère, ma mère pleurait tout le temps, riait et pleurait tout le temps. Mmh, très fort. Et donc, ce mouvement de jeunesse nous a débarrassés de ce poids, de ce fardeau, de cette honte diffuse de ne pas ressembler aux autres enfants, et nous a appris plein de choses. Nous a appris des textes politiques, c'était pas des textes religieux, mais nous a appris aussi les fêtes religieuses, mais à leur façon. Façon kibboutz. Mais puis, c'était une façon quand même. On abordait la religion par le côté matérialiste des choses. Et vous étiez aussi tournée vers l'avenir, vers le socialisme, sûr. Vers la construction. Vers la vie. Et non pas le souvenir douloureux de la perte. Israël a représenté un axe évidemment très fort aussi de transmission. Le père anti-religieux dont tu parles, quand je me suis trouvé avec lui en Israël, ou au moment de la guerre des six jours, m'a complètement surpris par son engagement, par son effroi devant ce qui pourrait se passer. Et ce qu'il ressentait quand nous nous trouvions en Israël, ou ce qu'il a ressenti au moment de la guerre des six jours, ont également beaucoup participé à mon judaïsme et à ce que j'ai souhaité transmettre à mes enfants. Il était très important pour moi d'aller avec eux en Israël. Alors, Lionel Weintraub, qu'est-ce qui se joue en fait si on se penche dans le psychisme de l'homme? C'est une vaste question, mais comment naît la volonté de transmettre? Parce qu'il y a un mélange d'inné et d'acquis qui fait que dans une même fratrie, on en avait déjà parlé, c'est assez surprenant, il y en a qui vont adosser ce rôle tout de suite de transmettre et d'autres non. Je ne connais pas la réponse, je ne peux donner qu'une réponse très personnelle. Il me semble que le souci, le désir de transmission peut naître éventuellement au moment où l'enfant, ça doit être vers 6-7 ans, commence à réaliser ce qu'est la mort, ce qu'est la disparition, ce qu'est le temps, ce qu'a été le temps qui a précédé sa naissance et ce que sera le temps qui suivra sa propre disparition. Je pense que le constat que nous pouvons disparaître et que certaines choses importantes peuvent disparaître, conduit à s'interroger sur ce qui nous a été transmis et ce que nous souhaitons transmettre. Je pense aussi qu'avoir connu cette famille, certains disent que le peuple juif est une famille, mais cette petite famille qui était la nôtre, avec tout ce qu'elle comportait d'amour, pour les enfants, pour l'enfant que j'ai été,
d'extrême tendresse, d'intensité émotionnelle. On pleurait, on était triste. Il y avait un sens du tragique, évidemment, très fort, mais un sens du comique, également très fort. On se mettait en colère et tout ça était... Ça me rappelle ce que dit Heidenstein Salz, qui dit que les Juifs, ils font tout, mais en plus fort. En plus, ils sont plus intelligents, mais aussi plus bêtes. Plus généreux, mais aussi plus avares. Enfin... Et là, tout était très fort, et ça donnait un sentiment de vie qui, je pense, mélangé à l'amour qui était donné à un enfant. Tu m'as souvent dit que j'étais le premier garçon né dans cette famille après la guerre. Je pense que tout cela, j'ai ressenti l'absolue nécessité de le faire passer, de le donner également à mes enfants. Merci pour ce fabuleux témoignage. Écoutez, merci encore. Avec plaisir. Alors, moi, je propose pour que vous transmettiez aussi, du coup, qu'on se quitte sur une très, très belle chanson de Talila, et qui est Lionel Weintraub et Talila, la chanson de votre famille, c'est-à-dire... Ben voilà, c'est le souvenir qu'en a Lionel, Belz, que ma mère chantait et que sa grand-mère chantait. Elles chantaient toutes les deux, un duo. Et là, ensemble en duo. Voilà. Et là, on écoute Talila accompagnée par Teddy Lasry, bien entre sûr. Entre autres, oui. Entre autres, Belz.